Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtre électrique! C'est pas vrai! On devrait peut-être arrêter! Pas encore! Tenez bon! Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourra aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais... On en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur a pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je veux comprendre ce qui s'est passé. Oh... T'es pas en grande forme, toi. Voyons d'où vient le problème. Le circuit a grillé. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Ça y est. Voyons, on redirige les commandes du cerveau moteur. Parfait. Ok. Et ensuite... Et on redistribue la tension.
Fini. Voyons si ça marche. Comme neuf. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Peter, merci encore pour ces essais à l'aveugle. Ils sont essentiels aux avancées scientifiques. Tu sais, en préparant le prochain essayage, j'ai eu une idée. Tu crois que c'est vraiment le meilleur moyen de remplacer un membre? C'est idiot, je le sais bien. Mais je continue de me dire qu'il pourrait y avoir un autre moyen. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Spider-Man, c'est Yuri. Alors, fils qui est arrivé à Riker? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fils qui devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri! Je refuse rien! J'arrive tout de suite! On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait, avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez. Bon, alors, malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné récompensé par deux Pulitzer? Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez!
Je croyais que vous me faisiez confiance. Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. Juste de récupérer une tour. C'était vous ? J'en ai sous le masque, hein ? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours ? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. J'ai des unités pas loin. Pas la peine. Je m'en occupe. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Chopez-le ! Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance ? J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi ? Non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider ! Je vous en prie. Alors, c'est toi la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage. Mais fiche-moi la paix. Boucle-la un peu. Ne me touche pas. Laissez-la tranquille. Oh non, Spider-Man. T'es pas chiant de ça. Mais comment ils peuvent tous nous battre? Voyez tous tes petits os. Laissez-la tranquille! Oh non, Spider-Man! Cherchez les gens! Faites cacher en deux! Hey, ça se fait pas, ça! Je commence à douter de nos chances, là!
tirer. Dégage d'ici, ou je la bute. Lâche-moi. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être... Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Alors, je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur ? Quoi ? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des crimes. Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Oh, wow! Un des vieux sacs à dos de l'époque du lycée? J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Toujours là? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge. Mi-homme, mi-araignée, 100% flic. Ouvre le coffre! Allez! Hey, salut! Ah! Spider-Man! Tue-le! Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. Hey, pas le regretter, le Spider-Man. Ah,
C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Speeder va la réparer? J'y ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Speeder, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Speeder prend sa retraite. Ah, Dieu merci. J'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Speeder, l'infatigable... Yuri, vous êtes là? Ah. J'ai dû être submergé par l'émotion du moment. J'ai envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Une bonne façon de soutenir les commerces locaux. Station de fisc à faire ressortir toute la vermine des bas-fonds. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. On essaie d'améliorer la composition des prothèses. Je devrais jeter un coup d'œil au développement du doc et vérifier son travail. Doc essayait d'améliorer la granularité de l'actionneur.
Pas mal. La réaction est super fluide. Voyons si on peut régler la force de préhension de la prothèse. C'est mieux. On devrait éviter les os broyés lors des poignées de main, comme ça. Intéressant. Le doc est en train d'intégrer un système basique de cartographie spatiale. Trop cool! Les bras pourront se situer dans l'espace comme ça. Il faut régler le gyro des bras sur orientation autour. Voilà. Avec ça, ça devrait aider le porteur de la prothèse à maintenir son équilibre. Le doc tente de réduire la consommation énergétique globale de la prothèse. Super. Beaucoup plus efficace. Et plus sûr aussi.
visiteur. Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Oui. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien, je te laisse travailler. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre ville. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Une araignée blanche, hein? Ça devrait le faire. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités, via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs, et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier.